technology, a reflection of our times, efficient, computerized. Technology is the human imagination converted into reality. De l'espace, notre Terre est blanche et bleue. Des continents et des mers. En bas, un paradis. La douceur de l'air, l'odeur de l'iode et la fraîcheur de l'eau. Là, entre 0 et 15 km au-dessus du niveau de la mer, tout autour du globe, il y a ces 1400 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Le CO2 que nous avons émis depuis le début de l'industrialisation. Des milliards de tonnes prisonnières de la basse atmosphère. Le progrès est notre raison d'être depuis 2 siècles. Il a considérablement amélioré nos modes de vie. Il nous a aussi donné le napalm, les pesticides, les déchets radioactifs et le réchauffement climatique. Nous avons durablement altéré notre planète. Aujourd'hui, ça peut se lire dans l'atmosphère, dans les sédiments, dans les roches et dans les glaces. La communauté scientifique mondiale multiplie les alertes depuis 40 ans. L'impact de l'homme sur la nature est tel que nous serions entrés dans une nouvelle époque de l'histoire de la Terre. Une nouvelle époque géologique. Et changer d'époque géologique, c'est peu fréquent. Celle dans laquelle nous vivions jusqu'ici, l'Holocène, a commencé à la fin de la dernière période glaciaire, il y a 11 700 ans. Cette nouvelle époque a déjà engendré des milliers de publications scientifiques. Les stratigraphes de l'Union internationale des sciences géologiques ont proposé un terme pour la nommer. L'Anthropocène. C'est-à-dire l'âge de l'homme. En clair, ce que nous vivons aujourd'hui ne serait pas une simple crise environnementale, mais une révolution géologique d'origine humaine. Alors, quels sont les événements historiques marquants, les découvertes scientifiques et techniques, les choix politiques et industriels qui sont à l'origine d'un tel bouleversement ? Comment avons-nous avancé dans l'histoire pour en arriver là? Quand ces images sont filmées, l'homme creuse la terre pour les besoins de son industrie depuis des siècles déjà.
le commencement de l'extraction industrielle de la houille, le charbon de terre, à l'aube du 19e siècle, marque le début de l'exploitation des énergies fossiles hautement productrices de CO2. Une exploitation massive responsable de l'abîme environnemental auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Cette aventure n'a pas débuté en Russie, en Allemagne, en France, ni même aux États-Unis. Elle a débuté en Angleterre. À la fin du XVIIIe siècle, le prix du bois s'envole partout en Europe occidentale. Les forêts, exploitées toujours plus intensément pour approvisionner les foyers, les forges, les ateliers, les petites industries de l'époque, n'y suffisent plus. Les forêts dépérissent. Les savants s'alarment. Que faire face à la pénurie de bois? Comment lutter contre la déforestation et son cortège de désastres, érosion, glissement de terrain, inondations et même déjà changement climatique? Dans la pensée dominante de l'époque, la terre est une création divine. Une création parfaite. La déforestation est donc une altération périlleuse de la création. L'exploitation du charbon de terre s'annonce alors comme une solution miracle, une solution écologique face à la crise forestière. Le sous-sol pourvoira sans limite les hommes en combustible. Les ateliers tourneront à plein régime et les forêts pourront se reconstituer. C'était il y a 200 ans, aux premières heures de la révolution industrielle. Grâce au charbon, la révolution est engagée et plus rien ne l'arrêtera. Les Britanniques investissent d'immenses capitaux dans leur développement industriel et commercial. Machines à vapeur, fonderies, chemins de fer, mines en tout genre, usines de production de gaz pour éclairer les villes. Et comme le monde est vaste et opulent, ils exploitent aussi abondamment les matières organiques des pays lointains. Les oléagineux d'Afrique de l'Ouest, le caoutchouc d'Amazonie et de Malaisie, les bois exotiques et même le guano du Chili et du Pérou. Et plus que toute autre matière première pour alimenter leur gigantesque industrie textile, qui est le moteur de la révolution industrielle, les Anglais ont besoin de coton, de beaucoup de coton. Celui qui pousse si bien sur les terres fertiles des Amériques. Celui que l'on cultive dans la sueur et dans le sang. À l'aube du XXe siècle, le globe entier devient le terrain de jeu des puissances européennes qui contrôlent 85% de sa surface habitable. Intellectuels, juristes, économistes et politiques britanniques, allemands, français, belges ou états-uniens légitiment leur droit à coloniser les autres continents par l'incapacité des peuples colonisés à exploiter efficacement et durablement les ressources sur lesquelles ils sont assis. À ce moment-là, l'homme blanc, plus industrieux, plus éclairé par la science, s'octroie le droit à diriger le globe pour, dit-il, mettre ses ressources à disposition de l'humanité. L'histoire du progrès est une histoire humaine bien trop humaine, avec ses perdants et ses gagnants.
l'exploitation des sols, la progression d'industrie, la colonisation des antipodes, c'est-à-dire l'histoire moderne, est un tout petit moment sur l'échelle des temps géologiques. Imaginez, si l'on rapporte l'histoire de notre planète à une journée de 24 heures, l'homme est apparu dans les 5 dernières secondes. Et l'époque de l'Anthropocène, c'est-à-dire l'époque industrielle, serait apparue dans les 2 derniers millièmes de seconde. Les cheminées de l'industrie du 19e siècle crachaient d'épaisses fumées et étouffaient les habitants des villes d'Europe de l'Ouest. À l'aube du 20e siècle, grâce au charbon, les Anglais dominaient le monde, mais l'Amérique s'apprêtait à imposer à son tour sa puissance en s'appuyant elle aussi sur le carbone. Au charbon de l'Empire britannique allait s'ajouter une énergie nouvelle. Aujourd'hui, on se dit que le pétrole vient des pays du Golfe. Mais depuis le premier puits de pétrole creusé en 1859 en Pennsylvanie, le sol américain a davantage été foré que n'importe quel endroit sur Terre. Il y a eu dans l'Amérique de la fin du 19e siècle une ruée vers le pétrole, comme il y eut des ruées vers l'or. L'or noir de Pennsylvanie a attiré les explorateurs, les aventuriers et quelques hommes d'affaires bien inspirés. Le premier sphinx de l'or noir, tout le monde connaît son nom. Et donc, le nom de sa lignée. Une famille de raffineurs, d'hommes d'affaires et de banquiers. Lorsque John Davidson Rockefeller prend sa retraite en 1896, il est l'homme le plus riche des États-Unis et sans doute le plus riche du monde. La Standard Oil, l'entreprise qu'il a créée 30 ans plus tôt, contrôle l'immense majorité du marché pétrolier des États-Unis. Dès le début de son exploitation, le pétrole va accélérer la révolution industrielle. Très vite, il va irriguer le monde et servir pour l'éclairage, pour le chauffage. Il va progressivement remplacer le charbon comme combustible pour la fabrication du ciment et donc du béton, utile à l'extension des villes. Le pétrole va entrer dans la fabrication de la peinture, de la teinture, de la pharmacie, de la cosmétique et des solvants. Il va permettre l'émergence du marché du bitume et de l'asphalte, mais aussi de la cire paraffine, avec laquelle on fabrique le chewing-gum, la gomina, les bougies. Tout cela avant même que la grande époque de l'automobile démarre. « Quelle bénédiction le pétrole a été pour l'humanité !» s'est exclamé un jour John Davidson Rockefeller. Au regard du progrès, c'est vrai. Et au regard des affaires, c'est vrai aussi. Le pétrole va offrir aux classes dominantes de l'époque la possibilité de faire fructifier leurs affaires sans s'encombrer de la contestation sociale. Il va permettre aux industriels de contourner les puissants syndicats de mineurs qui se sont constitués pendant tout le 19e siècle en Europe de l'Ouest comme aux États-Unis et qui, en bloquant les mines, peuvent bloquer toute l'économie d'un pays. Avec le pétrole,
Les industriels ont sous la main une matière fluide dont l'extraction se fait en surface. Grâce à cette fluidité, ils n'ont plus besoin de recourir au traditionnel réseau de transport que les ouvriers de la mine pouvaient facilement interrompre. Une fois les forages réalisés, l'installation des pipelines et des tankers permet d'organiser une production et une distribution flexible, rapide, internationale. Une production peu gourmande en main-d'œuvre. Le pétrole est une opportunité telle que dès le début du XXe siècle, les firmes pétrolières se lancent dans l'exploration de nouveaux territoires. De la Russie à l'Iran, les pionniers du pétrole ont entre les mains une matière fossile abondante qui va devenir un enjeu stratégique. Une énergie qui va jouer un rôle majeur dans l'histoire de l'Anthropocène. En 1910, la marine anglaise, qui est la plus puissante et la plus développée du monde, abandonne le charbon comme source d'énergie pour la propulsion de ses navires au profit du mazout. Dans un même temps, les besoins grandissants de la Royal Navy poussent les industriels à développer des usines capables de produire des centaines de milliers de pièces chaque année. Le soutien du travail manuel des ouvriers, par la précision et la rapidité de la machine, préfigure un concept nouveau, la production de masse. De ce rendement sans précédent, jouiront bientôt les constructeurs d'avions et surtout les fabricants de canons. Entre 1914 et 1918, des dizaines de millions d'hommes sont tués sur des fronts figés, statiques, immobiles. Cette immense boucherie collective va faire la puissance et la fortune de nombreux industriels. Partout, des entreprises se développent grâce aux commandes massives des États en guerre. C'est le cas, pour n'en citer que quelques-uns, de Ford aux États-Unis, de Vauxhall en Angleterre, de Daimler en Allemagne, ou encore des ateliers d'un inventeur français de l'Ouest parisien, Louis Renault. L'homme construit sa première automobile artisanale en 1898 à 21 ans. Le jeune pionnier est un autodidacte brillant et visionnaire. Avec ses deux aînés, Louis Renault crée la société Renault Frères, l'une des premières entreprises automobiles du monde. 16 ans plus tard, c'est la mobilisation générale. Louis Renault dirige un empire. Et la guerre va lui permettre de voir encore plus grand. Tandis que les jeunes soldats meurent au front, Louis Renault travaille avec acharnement. Ses ouvriers et ses ouvrières aussi. Ils sortent des usines des milliers de camions, des obus, des moteurs d'avions et des avions de reconnaissance. En 1917, Louis Renault construit le premier char d'assaut français, le FT-17. Une machine de guerre techniquement révolutionnaire. En 4 ans de guerre, Louis Renault multiplie par 5 le chiffre d'affaires de son entreprise. Et Louis Renault n'est qu'un parmi d'autres. La Première Guerre mondiale donne l'impulsion à la massification de l'automobile et au développement de l'industrie moderne. Les équipements de production tombent à plein régime. Le taylorisme et le travail à la chaîne se diffusent à l'ouest du monde. Le futur se prépare à grands pas. Outre-Atlantique, les entreprises américaines bénéficient de commandes considérables. L'excédent commercial du pays explose. Il passe de 400 millions
à 3,8 milliards de dollars en 4 années seulement. La guerre stimule les investissements dans la construction navale, l'aéronautique et la production d'engins à moteur. Et pour que cela soit possible, il faut aussi qu'accélère l'extraction charbonnière et pétrolière. Et donc, la production massive de CO2. Notre problème d'aujourd'hui. La première guerre est tragique pour les hommes, mais profitable pour l'industrie. Et dans cette guerre, il n'y a pas que l'automobile, l'aviation, le charbon et le pétrole. Il y a aussi la chimie. Poudre d'explosifs, balles et bombes sortent des usines d'Europe et des États-Unis en quantité sans précédent. L'entreprise américaine DuPont produit près de la moitié des explosifs nécessaires aux forces alliées. En 4 ans, DuPont croît immensément. La compagnie de la côte est américaine passe de 5 000 à près de 50 000 employés. En Allemagne, pour les besoins de la guerre, Fritz Haber, un brillant chimiste, coordonne les recherches des entreprises BASF, Höst et Bayer. Haber est l'un des plus grands chimistes de son époque. Pour fournir l'armée allemande en explosifs, il vient de mettre au point un procédé de synthèse de l'ammoniac qui servira de fertilisant dans toute l'agriculture du XXe siècle. Mais là, à ce moment précis de l'histoire, Haber s'intéresse au chlore. Il met toute son intelligence au service de sa patrie. Il veut produire le tout premier gaz de combat. Dans son sillage, les Français et les Anglais développent eux aussi leur propre gaz. La guerre est sale par nature. Elle le devient de plus en plus. Loin de la boue des tranchées, une autre guerre est en train de s'engager. L'industrie chimique américaine regarde le savoir-faire et la créativité des chimistes allemands avec envie. Le potentiel économique du maniement des molécules est une promesse vertigineuse. Dès l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, le président Wilson crée l'Office de la propriété étrangère. L'Office est chargé de saisir les biens appartenant à l'ennemi. Parmi eux, un précieux butin. Les brevets déposés aux États-Unis par les laboratoires allemands. Le géant Bayer se voit ainsi arracher l'une de ses plus profitables inventions, l'aspirine. Une manne dont profitera la Monsanto Company, une jeune entreprise dont le nom est encore peu connu. Cette saisie devait être provisoire et les brevets rendus à leurs auteurs à la fin des hostilités. Mais pour les laboratoires américains, l'opportunité est bien trop belle. Ils se regroupent sous une nouvelle corporation, la Chemical Foundation, et achètent au gouvernement à prix dérisoire des milliers de brevets allemands. La fondation assure ainsi l'émergence d'une industrie chimique américaine prête à concurrencer l'Allemagne d'après-guerre. De l'autre côté de l'Atlantique, les chimistes allemands doivent réagir. Pour pallier à la spoliation de leurs brevets, ils s'unissent en 1925 et forment le groupe IG Farben. Le brio des chimistes allemands va pouvoir encore s'exprimer. IG Farben devient rapidement le plus grand groupe de la chimie du monde. Produits pharmaceutiques, teintures, nylon, plastique, caoutchouc synthétique et pesticides,
sortent de leur laboratoire. Pendant tout le siècle, les grandes entreprises de la chimie entretiendront une liaison peu recommandable avec la guerre et la destruction. IG Farben produira le zyklon B utilisé dans les chambres à gaz. La société DuPont produira le plutonium pour le projet Manhattan. Après avoir élaboré ses premiers herbicides, la Monsanto Company cuisinera avec sa consoeur Dow Chemical, l'agent orange de la guerre du Vietnam. En mobilisant son génie scientifique pour tuer l'ennemi, l'homme a appris à tuer le vivant en général. En 1918, l'Amérique s'affirme comme la nouvelle grande puissance mondiale et swing au son du jazz des clubs de Chicago et de New York. Au pied des buildings, alors que les citoyens avaient l'habitude de se déplacer en tramway, on commence à rouler dans les Ford assemblés dans les usines de Détroit. À un rythme métronomique, les Derrick aspirent l'or noir pour irriguer le monde industriel. Plus que tout autre objet inventé par les hommes, l'automobile devient le symbole de la modernité. Dans un premier temps, la voiture ne profite qu'à une frange étroite de la population, des bourgeois amateurs de sensations fortes. Elle constitue une nouvelle nuisance et un nouveau danger pour la population. De Londres à New York, de Paris à Berlin, les éditorialistes proposent de la bannir de l'espace urbain ou au moins de réduire sévèrement sa vitesse à quelques kilomètres par heure. On la dénonce comme une arme dangereuse, comme l'écraseuse. L'automobile impose dans la ville une nouvelle discipline et rend impossible les jeux d'enfants dans l'espace public. En 1921, à Pittsburgh, une marche silencieuse réunit plus de 5000 personnes en hommage aux 221 enfants écrasés cette année-là. L'année suivante, la ville de Baltimore inaugure un monument à la mémoire des enfants qui ont succombé. La colère et les larmes accompagnent le développement de la voiture. Et le lobby automobile fait entendre aux piétons que la rue ne leur appartient plus. Please, lady. Always look at the traffic signal before you step from the curb. Passage piéton, feu rouge, goudronnage, voie rapide, rond-point, parking transforment progressivement la physionomie des villes pour les adapter aux écraseuses. En 1922, tandis qu'une procession de 10 000 enfants remonte les rues de New York pour prévenir des dangers de l'automobile, un homme puissant, Albert P. Sloan, patron de General Motors, crée un groupe de travail. La mission de ce groupe, échafauder une stratégie pour remplacer les tramways électriques par les autobus et les voitures individuelles. Le cœur du business de General Motors. À ce moment-là, aux États-Unis, 1200 sociétés de transport font circuler leurs tramways sur plus de 40 000 km de voies. 300 000 personnes travaillent pour ces petites et moyennes compagnies privées. Des millions de voyageurs empruntent ces tramways chaque jour. Sloan est un entrepreneur. Il voit grand. Il veut se tailler une part du marché.
Mais en octobre 29, le krach boursier fait trembler l'Amérique. Les spéculateurs ont trop spéculé. Le peuple va avoir faim. Les ouvriers et les classes moyennes vont connaître le chômage. Les industriels et les banquiers qui, depuis des décennies, enregistraient des bénéfices records sont violemment touchés. Les grands noms, Merrill, JP Morgan, Goldman Sachs, constatent l'abyssal effondrement de leurs avoirs. La famille Rockefeller voit son patrimoine fondre comme neige au soleil. Winston Churchill perd 500 000 dollars. Même Groucho Marx perd 240 000 dollars dans la crise. La production de pétrole, de charbon, d'automobiles diminue drastiquement. En moins de 3 ans, General Motors, toujours dirigé par Sloan, voit son action perdre les 3/4 de sa valeur. Les industriels, les hommes d'affaires vont devoir se refaire. Sloan a toujours ses satanés tramways en tête. Et là, prise dans la Grande Dépression, les sociétés de tramway sont elles aussi fragilisées. Nous sommes au milieu des années 30. Pour Sloan, c'est le moment de passer à l'action. La suite de l'histoire est consignée dans un rapport de 100 pages rédigé pour le compte du Sénat américain par Bradford Snell, un procureur spécialiste des lois antitrust. Autour de General Motors, Sloan réunit ses amis, Standard Oil, les Rockefeller donc, Phillips Petroleum et Firestone, un industriel de l'automobile, deux dealers du pétrole et le premier grand industriel du pneu. Ensemble, ils entrent au capital d'une sombre compagnie de transport, la National City Lines. Ils en prennent le contrôle et créent une myriade de filiales. Ils achètent alors les entreprises de tramway dans près de 45 villes américaines, des petites villes et d'autres aussi importantes que Détroit, New York, Oakland, Philadelphie, Chicago, Saint-Louis, Los Angeles. Quand les municipalités ne veulent pas vendre, les hommes d'affaires n'hésitent pas à utiliser la corruption d'élus et de hauts fonctionnaires et, si besoin, les services de la pègre locale. En 10 ans, les industriels démantèlent des dizaines de milliers de kilomètres de tramways électriques pour les remplacer par des bus à essence, créant ainsi de nouveaux débouchés pour leur propre marché, l'industrie automobile et l'industrie pétrolière. La fin des tramways américains n'est pas un détail de l'histoire, c'est un marqueur, un symbole d'une pensée univoque du progrès. L'Amérique, comme les autres pays industriels qui vont aussi démanteler leur propre réseau, le font au détriment d'un transport collectif moins encombrant, moins polluant. Les affaires sont les affaires. Près d'un siècle et demi s'est écoulé depuis le début de la révolution industrielle. La population mondiale a doublé. Des nations, des villes, des entreprises se sont développées à une vitesse vertigineuse. Aux États-Unis comme en Europe, la crise de 1929 a projeté dans la pauvreté des millions de femmes, d'hommes et d'enfants. En Allemagne, le nationalisme est en train de s'éveiller. Et le monde va devoir, à nouveau, accélérer son développement technique et productif. Dans les années 20, si les chimistes d'Higgenfarben et quelques entreprises industrielles comme Krupps ou Siemens sont en bonne santé, l'Allemagne survit avec une dette colossale et subit une crise bancaire sans précédent.
La panique s'est emparée du peuple allemand dès que les journaux ont annoncé la véritable situation du pays, incapable de faire face à ses engagements. Les épargnants se sont rués vers les banques pour en retirer les dépôts qu'ils leur avaient confiés. En 1933, Adolf Hitler accède au pouvoir. Il est à la tête d'un pays pauvre, plus pauvre que la France, que l'Angleterre et bien plus pauvre que les États-Unis. Le nouveau chancelier multiplie les discours dans lesquels il promet au peuple de lui redonner sa fierté. Wir müssen, so oder so, auch den letzten Mann in Deutschland, der überhaupt tätig sein will, wieder in eine Arbeit bringen. Ich glaube an unser deutsches Volk. Glaube an die Millionen schaffender Menschen in diesem Volk. Glaube auch an die Vernunft unseres Volkes. Glaube an meinen eigenen Willen. Und es müsste mit dem Volk hergehen, wenn wir dann nicht unser Deutschland wieder kräftig und unser Volk nicht mehr glücklich machen können. Adolf Hitler, fasciné par la personnalité d'Henry Ford, son génie productiviste et son antisémitisme, lance un chantier historique. La construction de 6000 km de voies rapides, le premier réseau autoroutier du monde. Les explosifs et les bombes vont précocement commencer à jouer leur musique. Ici, non loin de la capitale allemande, on n'utilise pas moins de 2 tonnes de dynamite pour niveler le terrain, déterminant ainsi de formidables explosions. Pour les 1000 km d'autostrade créées en Allemagne, il a été remué 160 millions de mètres cubes de terre, c'est-à-dire le double de ce qu'il a fallu déplacer pour creuser le canal de Suez. Dans l'Allemagne nazie, la construction de voies rapides ne répond à aucun besoin immédiat. Le pays est encore très faiblement motorisé. L'objectif est tout autre: occuper la main-d'œuvre en préparant la guerre. Les autoroutes devront permettre les déplacements des troupes et des blindés vers tous les fronts. Les autoroutes de l'Allemagne nazie sont le symbole de ce qui s'annonce plus que jamais, le lien entre guerre et pétrole. La Seconde Guerre mondiale marque effectivement un saut énergétique si radical qu'elle représente un moment sans précédent dans l'histoire de l'Anthropocène. Le soldat américain de la Deuxième Guerre consomme 228 fois plus d'énergie que celui de la Première. Le principal avantage stratégique des forces alliées consiste d'ailleurs dans l'approvisionnement presque illimité en pétrole américain. The clock on the wall. On the 7th day of December 1941, it struck the 11th hour. Every hour after that has been, will be, zero hour. Time, the most vital natural resource of a country at war. Every tick of the clock is time won or lost. Every 60-minute sweep, every 12-hour tour of those relentless hands is turning out carload lots of time for us to use ourselves or to give away to the enemy. Entre 1940 et 1944, la production industrielle américaine augmente plus vite qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire. Elle triple. La production d'avions et de munitions est multipliée par 15, celle des bateaux par 10,
celle des produits chimiques par 3, celle du caoutchouc par 2. Le transport routier fait plus que doubler, le transport aérien est multiplié par 6 et le volume du pétrole transporté par pipeline par 5. Les moyens de production hors normes développés pour la guerre préparent un monde nouveau. Un futur hyper productif, hyper industriel s'annonce. Inside of 24 hours, 1/20th of a freighter or a tanker can be built. Within those same 24 hours, a squadron of tanks can roll off the assembly line, and a flight of bombers can be made ready from radio to rudder boat. In one day, 1,000 acres of corn can become 30,000 bushels of food. In one day, one plant unit can turn out enough rifles to equip a battalion of infantry, the men who, in one day, might win a war or lose it. Après-guerre, l'organisation du travail développée pour l'industrie militaire devient la norme. Toute l'Europe de l'Ouest converge vers les États-Unis pour apprendre comment produire vite et plus. Tout semble devenir possible. La puissance des hommes va pouvoir s'exprimer sans limite grâce à de nouvelles machines, de nouveaux moyens pour les travaux publics, l'agriculture, ou encore pour la pêche. La reconversion des technologies de guerre dans l'industrie civile préfigure un futur d'abondance. Le nylon développé par la compagnie Dupont pour fabriquer des parachutes, des gilets pare-balles, des pneus spéciaux permet la fabrication de filets de pêche longs de plusieurs kilomètres et donc le développement de la pêche industrielle d'aujourd'hui. Les appareils de détection de bateaux et de sous-marins ennemis vont bientôt servir à repérer les bancs de poissons et finalement participeront à l'épuisement des ressources des océans. Les tanks, qui avaient mobilisé de nombreux industriels aux États-Unis, en Allemagne, en France, en URSS, en Italie, servent de modèle pour tous les engins à chenilles, abatteuses, débusqueuses, grumiers, bulldozers. Des machines qui accéléreront la déforestation, le développement des espaces périurbains, l'accès à de nouvelles ressources naturelles. La Seconde Guerre va finalement permettre d'atteindre un paroxysme du génie humain. Les hommes s'apprêtent à expérimenter un nouvel outil de destruction sans commune mesure. Un événement qui marque un moment important du rapport entre l'homme et la nature. Le 16 juillet 1945, loin d'une Europe en cendres, dans la vallée désertique de Jornada del Muerto au Nouveau-Mexique, des centaines de scientifiques s'apprêtent à procéder à la première explosion nucléaire de l'histoire. Le nom de code de cet essai, Trinity. Avant le tonnerre et le feu, Enrico Fermi, un des cerveaux du projet Manhattan, propose un pari à ses collègues. L'explosion, par la chaleur qu'elle dégagerait, pourrait-elle enflammer l'atmosphère et causer la fin du monde ? Le pari est ironique.
Les atomistes du projet Manhattan savent mieux que quiconque qu'ils jouent avec le feu. À 5h10, le compte à rebours est lancé. Sure, we will never be sorry for it. But we'll know in 40 seconds. À 5h29, 21 secondes, Gadget explose avec une puissance comparable à 20 000 tonnes de TNT. L'explosion laisse pour toujours une trace dans le sol et les esprits. Trois semaines plus tard, Hiroshima et Nagasaki ne sont plus. La destruction de ces deux villes a obéi à une volonté politique plus que militaire. La question de larguer une charge atomique au Japon, sur un territoire désert, s'est posée. Mais l'expérimentation n'aurait pas été totale. Il fallait savoir les effets réels d'une frappe nucléaire sur une zone urbaine. And this is what the Jap sees. His cities, his factories, in ruins. A lot of you out there are probably asking, well, why show us this? The war's over. Well, we wanted to let you in on one of the big secrets of the war. Thought you might be interested. Yes, you're right. The war is over, and we won it. And by we, I mean the foot soldiers, the men at sea, the crews who flew the missions, you men and women who worked in the factories, the scientists who gave us radar and the atomic bomb. That was all part of winning the war. But now there's a matter of the peace. Most of the men in uniform will be returned to civilian life. Likewise, factory workers will go back to producing civilian goods. But our scientists must go on perfecting old inventions and developing new ones for the security of our nation at peace. Le nucléaire ouvre de nouveaux horizons aux deux pays qui le possèdent dans l'immédiate après-guerre. Comme les gaz de la Première Guerre, comme les tanks, le nylon ou les radars de la Seconde, l'atome pourrait bien servir à autre chose qu'à la guerre. L'homme a enfin acquis un outil décisif pour transformer la Terre. La puissance atomique est désormais le plus parfait symbole de la démesure humaine. En 1945, Julian Huxley, un éminent scientifique qui deviendra le premier président de l'UNESCO, évoque devant 20 000 personnes au Madison Square Garden les possibilités d'employer des charges nucléaires comme une dynamite atomique pour dissoudre les calottes glaciaires des pôles. D'autres personnalités de l'époque parlent d'abattre des montagnes, de déplacer le cours des rivières, d'irriguer les déserts, de mettre la vie dans des régions où l'homme n'a jamais mis le pied, d'exploiter les minerais inaccessibles et encore de modifier le climat. «
Ces visionnaires, ces stratèges bien inspirés ont l'oreille attentive des gouvernements détenteurs de la puissance nucléaire. En 1957, le directeur de la Commission de l'énergie atomique des États-Unis, un certain Lewis Strauss, lance l'opération Plowshare. Lewis Strauss est un ancien homme d'affaires. Officier de la Navy pendant la guerre, il s'est hissé jusqu'à de très hautes fonctions dans l'administration publique. Strauss est devenu un promoteur du nucléaire américain. Pour lui, l'utilisation civile du nucléaire doit permettre de créer une atmosphère mondiale d'opinion favorable au développement et à l'essai d'armes. Le projet Plowshare est une boîte de Pandore. Les promesses folles du feu, des radiations, des explosions pourraient bien s'en échapper. Enormous energy, relatively inexpensive, compact and easily transportable. This is the new power tool that Plowshare would add to man's resources of useful energy. To do jobs never before practical or even possible. Oui. L'impossible est peut-être à portée de main. Le nucléaire, puissance de mort et de destruction, pourrait servir l'homme et le rendre encore plus grand, encore plus fort dans son combat contre la nature. What are these actual applications? Some will be dramatic in their effect, as nuclear explosions move huge masses of earth in excavation jobs, reshaping the geography of the land in dimensions never before possible. To meet the needs of man. Needs he can see as he struggles against the geography nature has pitted against him. How can the recovery of natural resources be increased to meet man's ever-growing needs? Plowshare underground engineering may be one of the answers. Nuclear explosions deep underground break and splinter huge areas of rock. These massive effects may permit highly promising recovery of resources that have been impossible or economically impractical to extract from the Earth. Where present land travel is awkward, costly, time-consuming, and dangerous. Excavating mountain passes for highways and railroads. Where water navigation is thwarted by imposing barriers of earth. Excavating canals. Voilà donc les ingénieurs de Plowshare qui envisagent de creuser un nouveau canal en Amérique latine. Entre deux zones géographiques, leur cœur balance. Ce sera au Panama, à l'aide de 300 bombes nucléaires, ou bien en Colombie, en enterrant 764 charges nucléaires. Ils réfléchissent à utiliser la bombe H pour réaliser un port artificiel au Cap Thompson, en Alaska. Il planifie de construire une autoroute à travers les Bristol Mountains dans le désert du Mojave en faisant exploser 22 engins nucléaires. Le projet dure 20 ans et engloutit 770 millions de dollars de l'époque, soit près de 4 milliards d'aujourd'hui. Les Américains procèdent à 27 explosions à usage civil. Une horreur, mais une paille comparée à ce qui se passe à l'Est. Forcément, de l'autre côté du monde, les Soviétiques ne laissent pas les Américains courir seuls en tête. Le Plowshare soviétique est baptisé Programme numéro 7. Il est plus dévastateur encore. Pour la recherche d'usage civil, les Russes réalisent près de 150 explosions nucléaires. Le milieu du XXe siècle marque le début de ce que les penseurs de l'Anthropocène nomment la grande accélération. C'est un point de bascule pour la planète, un changement de régime d'existence de la Terre.
C'est l'aube de l'ère nucléaire. C'est l'époque du pétrole peu cher, du plastique omniprésent, de l'amiante, du béton qui coule en masse, de centaines de milliers de nouvelles molécules chimiques et de biocides. C'est un point de bascule pour la déforestation, le climat, l'acidité et l'épuisement des océans. C'est enfin le début de la consommation de masse qui s'étendra bientôt à des millions, puis à des milliards de personnes. Après-guerre, l'Américain moyen ne rêve pas d'extractivisme par le nucléaire ou de nouveaux canaux commerciaux. Les familles aspirent à autre chose. Today, however, Americans look forward to our return to peaceful things. La guerre a été un sacrifice pour chacun. L'enjeu est maintenant de se construire une vie paisible. Mais dans l'Amérique de l'après-guerre, la pénurie de logements est immense. Et pour cause. Pendant le conflit, tous les programmes de construction ont été gelés. La priorité était à l'industrie de l'armement. Aux abords de Chicago, de Los Angeles, de New York, partout sur le territoire, des familles, des vétérans sont logés dans les bus, les caravanes ou dans les campements de fortune. Il faut que quelque chose se passe. Et un promoteur, qui lui aussi revient du front, va devenir l'homme providentiel. William Levitt a passé 4 années dans une unité du génie chargée de construire et d'aménager les installations militaires sur les théâtres d'opération. Il y a découvert la fabrication en série, adoptée par l'armée américaine pour édifier au plus vite, à partir d'éléments préfabriqués et faciles à assembler, ses bases de vie et ses bases logistiques. C'est ainsi qu'au retour de la guerre, William Levitt va concevoir et mettre en œuvre un nouveau système pour bâtir. The idea that came to a man named Bill Levitt was this. Why not apply to the building of houses the same principles that have brought other American industries to their unexcelled peaks of efficiency and service? Why not mass produce the elements that go to make up a house, just as the auto industry does with the parts that go into a new car? Pre-cut your lumber so it's all ready to be assembled into the frame of a house. With the waste removed, one truck can deliver to the building site all the rough lumber that will go into 2 complete Levitt homes. Levitt achète un terrain agricole de 405 hectares sur Long Island, à quelques kilomètres de Manhattan. Le chantier est organisé en 26 étapes, mobilisant chacune une équipe d'ouvriers. Les équipes se succèdent sur chaque unité, à 18,28 m les unes des autres. Chaque équipe est à sa tâche pour l'édification des murs, la construction de la charpente, la pose des portes et des fenêtres, des escaliers, des éclairages, des tringles à rideaux. Les maisons sont identiques. Les familles vont bientôt y vivre un bonheur tranquille, confortable et standardisé. À Long Island, l'entreprise Levitt & Sons érige 17 000 maisons en 2 ans. Un record. Levitt était un précurseur, un homme au flair formidable. La performance donne naissance à un nouveau modèle de ville. Des lotissements périurbains structurés autour de voies de circulation, les bien nommés Levitt Towns. Yes, this is it, my hometown. Pour encourager l'accès au logement, l'État met en place un système de garantie des prêts immobiliers. L'accès au crédit explose. Les prêts à 30 ans rendent accessible le rêve périurbain pour moins de $60 par mois, soit 3 jours de salaire d'un ouvrier.
Soudainement, pour des millions d'Américains, acheter en banlieue devient moins cher que de louer en ville. Mais dans ce moment de l'histoire, l'Amérique et avec elle le reste du monde ratent l'occasion d'un développement technique qui aujourd'hui semblerait tellement vertueux. Pendant la guerre, le gouvernement américain a largement financé des programmes de recherche sur les maisons solaires. Pourquoi ? Parce qu'il fallait réduire la consommation intérieure de pétrole pour maximiser la part envoyée au front. En 1948, Maria Telkes, une brillante biophysicienne du MIT, met au point une maison solaire autosuffisante à 75%. Des dizaines d'autres universités travaillent à leurs propres projets. De petites compagnies développent et vendent des centaines de milliers de chauffe-eau solaires. En Floride, au début des années 50, 80% des habitations sont équipées. Pour de nombreux architectes, journalistes ou personnalités de l'époque, le solaire devient une sorte d'idéal. À ce moment-là de l'histoire, le solaire semble se préparer un avenir radieux. C'était il y a plus de 60 ans. C'est l'aberration de l'électricité produite au charbon qui va pourtant s'imposer. Les fournisseurs d'électricité et les grandes entreprises d'équipements électriques comme General Electric ou Westinghouse, soutenus par les producteurs de charbon et les compagnies ferroviaires qui le transportent, n'ont aucun intérêt à ce que le solaire s'impose. Ils vont donc organiser et financer ensemble des campagnes marketing nombreuses et efficaces. I never realized there were so many electric servants myself. There are lots of them. And one at a time or all together, they make quite a difference in the way we live. That's why every housewife wants them. The latest models with the newest improvements. Because she knows that you really begin to live when you live better. Electronically. You can make your family's life much brighter. You will find your work much lighter. It's as easy as can be to live better electrically. Il ne s'agit plus seulement de chauffer les maisons, il faut aussi être capable de les refroidir. Le climatiseur fait son apparition. La promesse de la maison électrique invite à un confort nouveau. Les industriels de l'électricité se vendent en inventeurs du futur et se rapprochent de Leavitt et de ses amis. Pour que le chauffage, la climatisation et le tout électrique deviennent la norme, les grands fournisseurs et équipementiers de l'électricité concluent des deals avec les promoteurs pour équiper leur lotissement en imposant aux acheteurs le raccordement à leur réseau électrique. Les industriels de l'électricité et du bâtiment signent ainsi la mise à mort du développement de l'énergie solaire. La grande accélération qui fait définitivement basculer le monde dans l'anthropocène ne s'explique pas seulement par la croissance démographique, l'incroyable dynamisme des sciences, des techniques et le talent des grandes entreprises à vendre leurs produits. Plus que toute autre chose, c'est la guerre froide qui, en opposant capitalisme fordiste et communisme productiviste, engage le monde dans une course effrénée.
De part et d'autre du rideau de fer, chaque bloc doit assurer à sa population un niveau de vie et de consommation propre à stabiliser l'ordre social et à assurer la victoire militaire, économique, culturelle et politique. Les deux idéologies s'affrontent au nom des peuples. Les citoyens américains vivent une sorte de liesse collective. La voiture, symbole absolu, est désormais accessible à tous. Tandis que l'URSS est faiblement motorisée, l'Amérique bat tous les records. En 1955, aux États-Unis, près de 10 millions d'automobiles sortent des usines du pays et près d'un actif sur six travaille directement ou indirectement pour l'industrie automobile. En 1956, le président Eisenhower, fortement marqué pendant la guerre par la splendeur des autoroutes d'Hitler, lance un immense programme de construction de voies rapides. In this plan, there will be no intersection. Access will be controlled. It will really unite all of our United States. It will be possible to drive from the Atlantic to the Pacific Ocean and from Canada to Mexico on safe, multi-lane, divided highways without a single stoplight or stop sign. You will travel swiftly, easily, and safely. This system of interstate and defense highways is for the traffic of the future. Eisenhower voit grand. 70 000 km d'Interstate Highways surgissent de terre au coût faramineux de 50 milliards de dollars. Au Congrès américain, cette débauche d'argent public est justifiée par des raisons de sécurité intérieure. Desservir les 400 bases militaires et surtout permettre la déconcentration de l'industrie américaine pour la rendre plus résiliente en cas d'attaque nucléaire soviétique. De son côté, l'URSS fait tourner à pas cadencés son industrie militaire, ses usines métallurgiques et remporte un succès mondial en mettant en orbite le tout premier satellite de l'histoire. Les hommes jouent désormais leur partition de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Everything in the world, you know, is made up of molecules. And some of the most useful are those that form versatile plastics, like Alathon, Delrin, Lucite, Teflon. Here's what we mean. Oh my! Molecules! There are plastics in your toaster, in the blender and the clock, in the lamp and in the roaster, on the door and in the lock, in the washer and the dryer, and the garden tools you lend, in your music amplifier and electric fryer. You have got a plastic friend. En Europe, le modèle américain se répand. La société française, comme toute l'Europe de l'Ouest, entre dans la culture consumériste, avec ses icônes et ses temples, l'hypermarché, le salon de l'automobile et celui des arts ménagers. La consommation de masse alimente la forte croissance économique et celle encore plus forte des émissions de CO2. Comment les États-Unis ont-ils réussi à hisser leur mode de vie à un tel niveau dans les décennies d'après-guerre et à entraîner toute l'Europe de l'Ouest dans cette même dynamique? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir de nouveau dans l'immédiat après-guerre.
Entre 1939 et 1945, le produit national brut américain a quadruplé. À la fin de la guerre, tandis que l'Europe est ruinée, les États-Unis possèdent d'immenses stocks de devises. Ils produisent et consomment 60% du pétrole mondial, assurent 60% de la production industrielle du globe et pèsent un tiers du PIB mondial. Mais cela peut-il durer ? À l'aube des années 50, deux naturalistes à l'avant-garde, William Vogt et Fairfield Osborne, dénoncent dans deux livres tirés à plus de 20 millions d'exemplaires une surexploitation des États-Unis et plus largement une surexploitation de la Terre entière au-delà de ce qui serait durable. Les deux naturalistes invitent l'espèce humaine à cesser son combat contre la nature. Ils appellent à une limitation de la consommation des ressources naturelles du globe. Mais en pleine guerre froide, les élites militaires, économiques et politiques américaines considèrent qu'une telle modération serait incompatible avec la course engagée contre le bloc communiste. En 1951, le président Truman prend le dossier en main. Il commande un rapport à une commission parlementaire dirigée par William Samuel Paley, un homme d'affaires et de médias. Truman veut que la commission réfléchisse à l'approvisionnement américain en matières premières sur le long terme. Après plusieurs mois de travail, la commission Paley propose de mobiliser les ressources mondiales pour sécuriser l'Occident, tout en préservant les ressources américaines pour le futur. Les alertes des naturalistes sont balayées. La croissance doit se poursuivre coûte que coûte. Les États-Unis doivent donc passer du statut d'exportateur à celui d'importateur de matières premières et d'énergie. Et cette bascule va progressivement s'opérer. Après avoir participé à la construction de bases militaires dans le monde entier pendant la guerre, elles vont établir des installations pétrolières, des pipelines, des barrages, des raffineries, des mines, des usines de ciment, d'engrais, de pesticides et de produits agroalimentaires. Entre 1945 et 1965, les entreprises américaines réalisent à elles seules 85% des nouveaux investissements dans le monde. Depuis longtemps déjà, les pays capitalistes industrialisés avaient la main sur de nombreuses ressources en Asie, en Afrique, en Amérique et au Moyen-Orient. De ces territoires coloniaux, l'Europe a déjà profité sans mesure. Mais là, dans le contexte de guerre froide et de course au progrès, l'exploitation des pays du Sud change d'échelle. Les États-Unis et l'Europe occidentale drainent de plus en plus massivement les matières premières du reste du monde. Uranium, aluminium, pétrole, bois, produits agricoles. Dans cette fuite en avant, le bloc de l'Est doit lui aussi se mobiliser. Les investissements entamés pendant la guerre dans l'industrie lourde et l'industrie militaire se poursuivent. L'URSS exploite intensivement son territoire et ses ressources. Un emballement productiviste qui débouche progressivement sur les catastrophes écologiques que l'on connaît. La dévastation de la mer d'Aral, les pollutions au charbon, les contaminations nucléaires sur son propre territoire. Le reste du monde est la chasse gardée de l'Occident. Au fil des décennies, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine sont vidés littéralement de leurs matières premières au profit des pays occidentaux qui n'en finissent plus de vivre de plus en plus confortablement.
L'exploitation massive des ressources des pays pauvres dégrade leur propre cadre de vie en y accumulant de nombreuses nuisances, déchets d'extraction minière, pétrolière et déforestation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'échange écologique inégal. On consomme dans les pays riches, on exploite et on pollue dans les pays pauvres. Le basculement du monde dans l'anthropocène ne s'est pas joué sur la seule progression de l'industrie militaire, sur ses débouchés civils ou sur l'exploitation des pays pauvres. Il s'est aussi joué sur le terrain de l'agriculture. Les prémices de l'agriculture que l'on connaît aujourd'hui se sont développées entre les deux guerres. Cette époque pendant laquelle les chimistes ont développé les premiers pesticides et la production industrielle d'engrais azotés. Une période pendant laquelle les agronomes et les généticiens ont développé des variétés de céréales sélectionnées, propres à supporter ces pesticides et engrais, et suffisamment homogènes pour permettre la récolte mécanique. Une période pendant laquelle les Américains ont développé leur premier maïs hybride, quand l'URSS soviétique, l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie et les Européens, dans leurs colonies, ont mis en place de sévères programmes de dirigisme semencier. Mais l'agriculture, qui préfigure l'agro-industrie d'aujourd'hui, va véritablement commencer son extension dans le reste du monde, et particulièrement dans les pays en voie de développement, grâce à la philanthropie de la Fondation Rockefeller. Une fondation qui agit dans de nombreux domaines tels que l'éducation, la culture, la médecine, la biologie et l'agriculture. Au début des années 40, le vice-président des États-Unis, Henry Wallace, demande à la fondation Rockefeller d'aider le gouvernement mexicain dans son développement agricole. Le Mexique peine en effet à nourrir sa population. Pour le gouvernement américain, comme pour les Rockefeller d'ailleurs, c'est un problème. Une famine au Mexique pourrait déboucher sur des instabilités politiques et risquerait de porter atteinte à leurs investissements massifs dans cette région du monde. La Fondation propose de réformer en profondeur les habitudes des paysans mexicains en important les méthodes de l'agriculture industrielle américaine, semences sélectionnées, irrigation et mécanisation. Many Mexican cattlemen, like Mr. Gonzalez, who owns this farm, have improved the breed of their animals. Yet their milk production is far below what they should expect. Mr. Gonzalez has asked the advice of a good friend, his agricultural extension agent. The station researcher gives Mr. Gonzalez some stalks and explains to him how to plant the grass on his own farm. Mr. Gonzalez can learn through his own experience whether it will really help him solve his problem of feeding his cattle and of increasing their milk production. More food for more people. The Mexican Ministry of Agriculture, with the cooperation of the Rockefeller Foundation, is helping Mexican farmers and cattlemen to adopt many similar improvements. It is also the story of a small but vital part of an international campaign to help end hunger among the people of the world. Le programme de la Fondation Rockefeller débute en 1941 avec des semences de maïs hybride. Il est rapidement étendu à d'autres types de semences, blé, haricots, riz, fourrage, et à d'autres pays de l'Amérique latine, la Colombie, le Chili, l'Équateur ou encore le Pérou. L'agriculture moderne commence ainsi son extension dans les pays du Sud. Le programme mexicain va en inspirer un autre.
plus vaste, plus stratégique encore. Cette fois, nous sommes à la fin des années 50, en pleine guerre froide. L'Inde est enlisée dans une importante crise alimentaire. L'augmentation de la production agricole n'a pas suivi l'accroissement rapide de la population et la guerre a laissé des cicatrices. Pour l'Occident, cette crise est un danger. Elle pourrait déboucher sur une révolution rouge, une préoccupation qui s'invite dans la campagne électorale américaine. What areas do you see where the United States might take the offensive in a challenge to communism over the next 4 to 8 years? I believe that India represents a great area for affirmative action by the free world. India, under a free society, has been making some progress. But if India does not succeed, with her 450 million people, she can't make freedom work. Then people around the world are going to determine, particularly in the underdeveloped world, that the only way that they can develop their resources is through the communist system. L'Occident réunit ses forces. La Fondation Rockefeller, la Fondation Ford, l'Agence des États-Unis pour le développement international et la Banque mondiale se mobilisent pour soutenir le gouvernement indien dans la transformation de son agriculture. L'idée, déployer à grande échelle en Inde ce que la Fondation Rockefeller a expérimenté au Mexique et en Amérique latine. Convertir la vieille agriculture d'autosuffisance des petits paysans en une agriculture intensive et moderne. Oui, l'Inde devrait réformer ses méthodes archaïques. Oui, même les années normales, on ne donne guère à manger au bétail que des parcelles de mauvaise paille hachées. Oui, il faudrait secouer dans certaines régions le fatalisme et l'apathie des hommes, qui se contentent d'attendre l'assistance du ciel et de regarder travailler leurs femmes. Mais bouleverser les techniques et les traditions d'un immense pays comme l'Inde ne peut se faire en un jour et sans moyens financiers énormes. Un agronome, brillant sélectionneur de blé, va faire le lien entre le Mexique et l'Inde, Norman Borlaug. L'homme a fait ses armes chez le chimiste Dupont pendant la guerre, puis dans le programme mexicain de la Fondation Rockefeller. Là, il a mis au point un blé à très haut rendement, un blé global susceptible d'être cultivé sur tous les continents. Il est tout naturel qu'au début des années 60, Borlaug soit missionné pour conduire le programme indien. Ces variétés créées au Mexique sont parfaitement adaptées. Elles nécessitent cependant deux conditions incontournables, l'utilisation d'engrais et l'irrigation massive. Forte du soutien des fondations et des scientifiques américains, l'Inde investit des dizaines de millions dans cette nouvelle agriculture et dans ce qui va avec. Elle subventionne massivement l'accès aux nouvelles semences, aux machines modernes, tracteurs, pompes, tuyaux d'irrigation, moissonneuses, batteuses, aux engrais et pesticides adaptés à ces semences. De la chimie et du matériel produit à cette époque essentiellement par des grandes firmes américaines et européennes de l'agrobusiness. La révolution verte est en marche. Borlaug reçoit le prix Nobel de la paix en 1970 et l'Asie entière se convertit progressivement à l'agro-industrie. Le modèle Borlaug a permis une indéniable augmentation de la production agricole indienne, mais il n'a pas profité à tous. Il a favorisé les agriculteurs qui avaient les moyens d'investir pour devenir des entrepreneurs de l'agriculture. Il a favorisé une agriculture d'exportation massive, plus qu'une agriculture propre à nourrir les populations locales. Des économistes et des historiens affirment qu'à moyens égaux, il aurait été possible de faire mieux pour la sécurité alimentaire indienne en tablant sur le développement de la petite paysannerie. L'agriculture industrielle, qui s'est désormais répandue partout dans le monde, est un événement majeur dans l'histoire de l'Anthropocène.
ses effets sur la nature sont ravageurs. Le modèle consistant à cultiver la même variété championne sur des millions d'hectares et dans le monde entier a causé la disparition de milliers de variétés cultivées traditionnellement. Il a drastiquement augmenté la consommation d'eau pour l'irrigation, comme l'utilisation des engrais et des pesticides. Il a produit un appauvrissement des sols quand ce n'est pas une stérilisation totale. L'agriculture industrielle est par ailleurs extraordinairement gourmande en énergie fossile. Il faut du pétrole, beaucoup de pétrole, pour alimenter les machines agricoles, produire les engrais et transformer les aliments. Au début du 19e siècle, en Europe occidentale, une calorie dépensée permettait d'obtenir 5 à 12 calories alimentaires. Aujourd'hui, dans des pays comme la France, les États-Unis ou le Danemark, une calorie dépensée ne permet d'obtenir que 0,7 calories alimentaires. Avec son industrialisation, l'agriculture est devenue énergétiquement déficitaire. Dans les années 70, aux États-Unis, les carcans se fissurent et l'armée américaine largue plus de 70 millions de litres d'agent orange sur le Vietnam. Il s'agit toujours de chimie, mais il ne s'agit plus de production agricole. Classés parmi les armes réputées incapacitantes, on les utilise à des fins dites humanitaires, puisqu'elles permettent théoriquement de débusquer l'ennemi sans le tuer. Mais le monde scientifique pousse un cri d'alarme pour dénoncer la menace que fait peser sur la population vietnamienne l'usage intensif de produits chimiques dont on ne connaît pas tous les effets sur l'équilibre de la nature. En 1972, la mission Apollo 17 rapporte la première photographie de la Terre dans son entièreté. L'image devient rapidement l'emblème d'un monde clos, fini, d'une planète fragile. La même année, un groupe d'experts, de hauts fonctionnaires et d'industriels de plus de 50 pays, le Club de Rome, commande un rapport à une équipe de chercheurs du MIT. Le rapport a pour titre « Les limites de la croissance ». Ces scientifiques sont à la pointe de la technologie grâce à une machine ultra-moderne à laquelle le grand public n'a pas encore accès, l'ordinateur. Ils mettent la Terre en courbe, en statistiques et en équations. Le rapport élabore 13 scénarios pour le futur et alerte sur un effondrement de la civilisation industrielle au 21e siècle. Les causes de cet effondrement, la pollution, le manque de ressources et la surpopulation. L'idée des limites à la croissance est formulée pour la première fois au plus haut niveau par les élites du capitalisme. En 1973 et 1978, deux chocs pétroliers se succèdent. L'Amérique en sort sonnée.
Le 15 juillet 1979, le président des États-Unis, Jimmy Carter, prononce un discours retentissant devant 65 millions de téléspectateurs. Human identity is no longer defined by what one does, but by what one owns. But we've discovered that owning things and consuming things does not satisfy our longing for meaning. We've learned that piling up material goods cannot fill the emptiness of lives which have no confidence or purpose. Les chocs pétroliers ont fortement marqué les esprits. Le président Carter questionne frontalement le consumérisme débridé de l'époque. Ses conseillers l'invitent à conduire la nation vers une transition énergétique en développant les énergies renouvelables afin de réduire les besoins en pétrole. Le président américain veut envoyer un signal fort. Pour signer l'engagement de l'Amérique vers une ère nouvelle, il fait installer des panneaux solaires sur le toit de la Maison Blanche. Carter et ses conseillers sont effectivement dans leur temps. Depuis plusieurs années, quelque chose gronde dans la société américaine comme en Europe. Quelque chose qui ressemble à un réveil écologique. Quelque chose qui n'est en fait que le prolongement des alertes du passé. Des milliers de procès sur la pollution industrielle encombrent les archives et témoignent de l'ancienneté des dommages environnementaux. Les bilans comptables des usines chimiques montrent que chaque année, les industriels dédommageaient leurs voisins pour les récoltes perdues et pour la dégradation de leur environnement. La révolution industrielle, avec son cortège de pollution, ne s'est pas faite dans une inconscience modernisatrice. Les médecins du XVIIIe et XIXe siècle faisaient de l'environnement le déterminant essentiel de la santé. Dans toute l'Europe de la Révolution industrielle, les riverains des usines se mobilisaient contre les pollutions. En ville, les polices portaient une attention scrupuleuse à la qualité de l'air, surveillaient étroitement les ateliers, leurs fumées et leurs écoulements. Décennie après décennie, deux siècles durant, les alertes n'ont jamais cessé. Et dans les années 70, certains ont cru que tout allait enfin changer. On connaît la suite. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Les lobbies industriels s'organisent contre le mouvement écologiste et les régulations environnementalistes. Une nouvelle vague de mondialisation financière favorisée par l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre, puis de Ronald Reagan aux États-Unis, relance le monde dans une nouvelle accélération qui va nous conduire là où nous en sommes aujourd'hui. Les hommes et les femmes que nous sommes deviennent chaque jour des consommateurs de plus en plus gourmands, compulsifs et nombreux. Les pays riches ont dopé leur économie malgré une stagnation de leur productivité et des salaires par un surcroît de consommation permis par l'endettement, les prix bas du pétrole, des matières premières et de la main-d'œuvre asiatique. La Chine, l'Inde, le Brésil sont devenus les ateliers et les greniers du monde. Ils sont désormais aussi de gigantesques producteurs de CO2 et de pollutions multiples. L'histoire, notre histoire est celle-ci.
celle d'une course effrénée, celle de deux siècles de passion, de sueur et de sang. Dans ces deux siècles, les volontés de puissance ont déchaîné les innovations technoscientifiques aussi brillantes que destructrices. Dans ces deux siècles, une course à l'accumulation de richesses a creusé des inégalités de plus en plus profondes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Dans ces deux siècles, la consommation est devenue le moteur économique et l'antidote à la contestation sociale. Les 1400 milliards de tonnes de CO2, invisibles, prisonnières de la basse atmosphère, sont bel et bien là. La biodiversité décline. Les gros émetteurs de CO2 sont aujourd'hui les 20% d'hommes et de femmes les plus riches de la planète. Le mode de vie développé depuis le début du 19e siècle par la bourgeoisie des pays industriels et colonisateurs est devenu le quotidien globalisé d'un cinquième de notre monde. Aujourd'hui, la consommation de charbon continue de croître. Celle du pétrole vient pour la première fois de passer les 100 millions de barils par jour. Et puis, on réalise peu à peu que la production massive des panneaux solaires est extrêmement gourmande en produits miniers et notre infrastructure numérique de plus en plus vorace en énergie. La promesse de salut de la planète par ces technologies dites vertes et par la dématérialisation rappelle de plus en plus la promesse de sauver les forêts et le climat grâce au charbon du début du 19e siècle. L'Anthropocène est peut-être un point de non-retour.